Et bonsoir à tous, c'est Seb, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons comparer tout simplement deux téléphones qui sont tout simplement l'iPhone 6 Plus vs le Asus Zenfone 2 en version 6 pouces. Par avance, je suis strictement désolé, mesdames et messieurs, mais ce qui est marqué sur mon t-shirt, c'est n'importe quoi. Alors, comparons le design extérieur des deux téléphones. Prenons l'iPhone. Alors, nous avons donc un devant qui est blanc, donc une façade blanche, avec ici en haut, donc on a l'écouteur du téléphone qui est ici. Voilà. À côté, vous avez le capteur photo, ta gueule, qui est moche. Le capteur photo 8 mégapixels et le capteur infrarouge de proximité. Quand vous mettez votre oreille dessus, ça verrouille l'écran tactile. En bas, le fameux bouton Home Touch ID of the Power de la mort qui tue. Et bien sûr, une façade tout en saphir synthétique. Alors ça, c'est de la grosse daube, hein, je dois vous avouer, parce que ça prend les traces de doigts. Et en plus, ça tient pas. Merci Apple. Derrière, vous avez quoi? Un dos tout en aluminium. C'est du vrai alu, hein. C'est pas de la merde, c'est vraiment très froid. On a l'Apple qui brille, la pomme qui brille. Le capteur photo ici, 13 millions de pixels, si je ne dis pas de bêtises, c'est un iPhone 6, donc regardez les specs. À côté, le micro et encore à côté, le flash double LED, donc une LED blanc chaud et une LED blanc froid pour faire la balance des blancs. L'antenne, bien entendu, hein, le liseré blanc, c'est l'antenne, comme en bas d'ailleurs, en bas aussi c'est l'antenne, et vous avez marqué iPhone avec pourquoi pas des petits numéros de série. Passons au Asus maintenant. Alors oui, sur les côtés, pardon, je fais tout à l'envers aujourd'hui. Sur les côtés, ici vous avez le chariot pour la carte SIM qui est au format nano SIM. Exactement, parce que c'est sien d'iPhone, donc moi j'y connais rien. Et à côté vous avez le bouton Power qui permet aussi de verrouiller l'iPhone, c'est pas nouveau. Au-dessus, rien du tout. De l'autre côté, vous avez le bouton Mute ou pour verrouiller l'inclinaison du téléphone. Et les boutons de volume, plus et moins, ici. Et en bas, vous avez donc une prise jack standard 3,5 mm, le micro du téléphone, la prise Lightning qui synchronise les données et qui recharge l'iPhone, et le haut-parleur qui n'est pas un haut-parleur stéréo. Mais qui est de bonne facture, ça par contre un gros enculé. Le gars il pose du son tranquille quoi. Et maintenant on passe au Asus. Alors c'est sensiblement la même chose. Vous avez ici l'écouteur du téléphone, on voit dans le reflet, c'est génial. Ici dans le noir vous avez un capteur infrarouge pareil de distance pour verrouiller l'écran tactile quand vous mettez votre main ou votre oreille par exemple. Le capteur frontal 8 millions de pixels, magnifique écran de 6 pouces. En bas vous avez des touches tactiles, retour, home et multitâche. Et vous avez ici un petit bandeau effet métal brossé, mais c'est du vrai plastique, hein. faut pas se méfier au truc. Et puis une dalle en verre Gorilla Glass 4 et qui tient vraiment bien par contre. Ça prend aussi les traces de doigts. Oui, parce qu'il y a des gens qui me parlent sur Messenger, voilà. Ça prend aussi les traces de doigts, mais bon, ça faut avoir les mains propres, hein, je dirais. Donc la dalle très costaud, merde. Et en plus il y a double tape. Sur l'arrière du téléphone, sur les côtés déjà, il n'y a rien du tout. Vraiment rien. En bas vous avez le micro du téléphone qui est ici et une prise USB. Et sur le haut vous avez, très con, mais la prise jack 3,5 mm, le bouton power, très con de l'avoir mis là, et la prise jack aussi. Et un autre micro pour la caméra arrière, très con de l'avoir mis là aussi. Tout ce qui est là, de toute façon, ici, tout est très con d'avoir mis là. Voilà, cherchez pas, c'est comme ça. Derrière, vous avez le capteur photo 13 millions de pixels. Me semble-t-il que c'est un capteur Sony dessus. Bon, je me suis pas avancé. Hein. Le double flash blanc froid et blanc chaud, pareil comme l'iPhone. Et ici, un capteur laser pour la mise au point. C'est-à-dire que lui, il fait les mises au point par laser. Donc, il mesure la distance entre le téléphone et ce que vous voulez potentiellement prendre en photo. Et il fait les mises au point comme ça. Donc, c'est génial. Le bouton de volume, c'est un choix de l'avoir mis là, je pense, donc faut s'habituer. À la manière de l'iPhone, c'est marqué Asus ici, derrière, et en bas, le modèle Zenfone. Par contre, là, il n'y a pas tous les numéros de série. Hein. Et ici, l'espèce de petit machin que vous voyez là, c'est un haut-parleur stéréo, mesdames, messieurs, motherfucker, et qui pousse grave. Alors ensuite, la taille des écrans de ces deux téléphones, et ben, on va les comparer tout de suite. Et donc, comme vous pouvez le voir, l'écran du Asus en bas, hein, surtout ça se voit en bas, légèrement plus grand. C'est normal, puisque l'iPhone fait 5,7 pouces, et le Asus fait 6 pouces pile poil. Donc, au niveau de la taille, c'est très similaire, c'est un poil plus grand sur le Asus. Qu'est-ce qu'on peut encore comparer? Les vitesses de chargement de différents applications. On va tester avec Google Maps. Attention à la 1, à la 2, à la 3. Plus tard.
Bon, alors c'est sensiblement pareil. Qu'est-ce qu'on va lancer d'autre? T'as des tas d'applications Google. Merci, je te remercie d'avoir téléchargé tout ça parce que franchement, tu me sauves la vie. À la 1, à la 2, à la 3. Là, voilà. Donc, on est à peu près sur les mêmes performances sur les deux téléphones. Au niveau du lancement, hein, temps de lancement, hein, voilà. On va tester une autre application qui s'appelle Instagram. Qui est pas mon application favorite, mais bon, ma foi, ça peut être sympa. Donc, hop, Instagram, Instagram. Oui, t'en sors. 1, 2, 3. Tu m'as mis une feuille, bâtard. Je t'ai mis une grosse feuille. Alors, je ne connais pas cette fille. Me demandez pas qui c'est. Là, non. Voilà. Je te mets une grosse feuille de bâtard, en fait, parce que Instagram se lance plus vite sur les Asus. Bon, après, on pourra en faire des tas, hein, de tests comme ça. Ce que je vous dirais, c'est que l'un rattrape l'autre. Voilà. Une fois, ça va être le Asus le plus rapide, et une fois, ça va être l'iPhone le plus rapide. Voilà. Donc, l'un rattrape l'autre tout le temps. Au niveau de la qualité de l'écran, maintenant. Ici, on est sur une dalle IPS Full HD 1080p standard. Et ici, on est sur une dalle Retina Display. D'une résolution complètement barjo, je ne sais plus la résolution, c'est arrivé à me la ressortir. J'en sais rien du tout. Absolument pas, très bien, merci, cameraman, merci. Je sais pas si on y voit vraiment une grande différence, hein. Alors encore une fois, ne vous fiez pas trop à ce que je vous montre, parce que ça, c'est assez peu représentatif. Ouais. Alors, après, il n'y a pas les mêmes fonds d'écran, etc. Donc... Au niveau des angles de vue, on est bien meilleur sur l'iPhone, hein. Vous le voyez déjà, ça se voit à l'œil, en fait. On va faire un test tout simple, regardez l'iPhone. Vous voyez très bien, voilà, jusqu'à tenter des reflets. Et ici, vous voyez pas trop mal, mais un peu moins bien que sur l'iPhone. Vous voyez, voilà, donc c'est pas ouf les différences. Qu'est-ce qu'on va encore faire? Ah oui, le son, on va se faire plaisir. Donc c'est parti pour le Asus, il va nous chanter sa petite mélodie, ce bâtard. Oh là là, putain, encore de la pub, fait chier. Vous en arrivez, vous pouvez cliquer sur le pouce bleu et vous abonner à la chaîne d'Amix à Bordeaux. Là, bonjour! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que tu attends peut-être depuis plusieurs jours. Il y a quelques jours, je vous ai donné mon adresse, une adresse d'une boîte postale qui réexpédie tout chez moi. Et vous avez été extrêmement nombreux à m'envoyer des trucs, beaucoup trop en fait. Donc là, j'ai un premier carton devant moi avec un max de trucs dedans. Voilà, on va peut-être éviter de se faire faucher par YouTube, ce sera bien mieux. Surtout qu'on va lancer une deuxième fois, quoi. Voilà, surtout quoi. Ah, avec encore une pub. Merci à Mixem pour la publicité, c'est très gentil. Vous pouvez cliquer sur le pouce bleu et vous abonner à la chaîne d'Amixem. Là, bonjour! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que tu attends peut-être depuis plusieurs jours. Il y a quelques jours, je vous ai donné mon adresse, une adresse d'une boîte postale qui réexpédie tout chez moi. Et vous avez été extrêmement nombreux à m'envoyer des trucs, beaucoup trop en fait. Donc là, j'ai un premier carton devant moi. Voilà. Avec un max de trucs de. Ta gueule. Au niveau de la qualité de son, on est à peu près sur les mêmes résultats sur les deux téléphones. Alors, le son est en mono sur l'iPhone et en stéréo sur le Asus, donc ça se ressent un tout petit peu. Franchement, je vous le dis, l'un rattrape l'autre. Donc là, c'est vraiment à vous de choisir. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. On va remettre un peu de lumière si vous le voulez bien. Faites-nous des dons, s'il vous plaît, pour de la graisse 3M. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Faites des dons par chèque, s'il vous plaît. Vous envoyez l'adresse postale, voilà, au 6 avenue Johan Gourcuff à Lambersa. Là, tu vas voir arriver du courrier chez lui, des chèques, plein de chèques et tout. N'importe quoi. iPhone ou pas iPhone, j'ai pas de réponse à vous donner. Je vous dirais iPhone quand même. Android est vachement plus ouvert. C'est pas qu'il y a plus d'applications à télécharger, mais c'est que. Comment expliquer? C'est plus libre en fait. iOS, mais c'est hyper fermé. Il n'y a pas d'USB, il n'y a pas d'SD, il n'y a pas de. Il n'y a rien. C'est clairement un écosystème Apple. C'est un choix, hein. Comme je vous dis, c'est un choix. D'un côté, vous allez pouvoir mettre toute une ribambelle de trucs, mais tous ne vont pas aussi bien marcher. De l'autre, vous avez un écosystème Apple 100%, donc c'est chiant, mais chaque truc va fonctionner à merveille. Donc là encore, je voulais choisir. Voilà, c'est fini. Sur ce, je vous laisse. C'était Seb. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux, s'il vous plaît. @SebOfficiel officiel sur Facebook et Twitter. Passez de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite un joyeux Noël, une bonne année 2017. La santé, le bonheur, l'argent, l'amour. C'est tout ce que je peux vous souhaiter. Tout est dans la description. Checkez la description. Il y a tout ce qu'il faut en dessous, les réseaux sociaux, tous les trucs. Il y a tout ce qu'il faut. Et joyeux Noël! Bonne soirée, c'était Seb, salut.